Radio 1, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Premier album Take the Life, on tire un peu puis révolutionnaire, puis on tire un peu beaucoup la rage. Après Exterminator aussi, on vient un peu dans le modèle là. Après à partir ça, on fait Love and Respect, on tire un peu puis on est un peu plus large, on tire un peu plus sage, un peu plus d'amour, respect. Et c'est un album là, moi un peu plus familial, comment dire, parce que bien, mon esprit beaucoup dans le texte de la famille, mais je suis envie de concentrer un petit peu de la famille, de valeur famille. Parce que c'est tout de suite un moment, les derniers 5 ans qui me passaient. 5 ans, 6 ans, mon père dit moi, tout de suite, la petite de temps là. Et mon père, comme on trouvait, moi, je n'ai pas là, je me sentais un peu, elle manque beaucoup. Et là, moi, je me concentrais moi-même autour de ça, valeur famille, valeur un parent et bons enfants. La plupart du temps, moi-même qui écris tout mon texte. Mais dans l'album là, on m'a dit, on te revient dans le sens bon. Et au commencement, quand je fais mon premier texte, parce que moi, je fais à la fin de tout, Réveil des Anguilles, comme mon frère Denis Fouico. Et là, moi, j'ai écrit avec moi, mélodie, mon texte. Et moi, je dis, ok, mais je coupe, mais je écris. Denis Fouico, il me demande comment écrire deux textes là-dedans. Et ça va me réveiller. Si dans mon risque, pourquoi je peux demander comment écrire plus? Parce qu'il y a ce courrier de la Réunion, il est allé là-bas, big up, mon frère Denis Fouico. Et après, moi j'écris tout mon texte, parfois, comment dire, il y a des soldats qui viennent écrire là, je dis moi, hey, mais je dois pas se mettre ça là, mais je mets ça là, je dis mon soldat là ici, moi j'ai un soldat Winnieman, parfois je viens de moi comme j'écris mon texte, et même parfois moi j'ai mon créé un peu Bouino aussi, et mon soeur Bouino ailleurs, mon créé un peu, tout mon frère qui est là, moi j'ai écrit texte, ça que je pensais, ouais, mais il y a deux mois coups de main, j'ai dit sans ça, moi j'ai mon soldat General Love, qui est ici, implique beaucoup dans mon travail. Marie-Saïe, l'homme tout ferme, Emmanuel Franchin. Tout le monde est venu à chaque fois, dire. C'est moi la plupart du temps, moi, qui ai dit, je suis content de montrer mon petit soldat qui est autour de moi. Qui te pensait? C'est moi. Premièrement, je suis fait un seul album, parce que moi, la plupart du monde, je suis content de mettre 13-14 morceaux. Mais quand je finis depuis avant, je finis un morceau encore, je vais refaire. Quand je refais 16, là, maintenant, je vais dire, pas facile pour mettre 16 morceaux sur un seul CD, c'est un peu compliqué. Mais vous pouvez nous faire un double CD, nous mettre 10 loin dans une seule boîte pour un des CD. Mais là, moi, j'ai écrit encore, moi, j'ai écrit 4-5 encore, nous mettons un coup. Parce que moi, ça fait que j'ai écrit 20, je ne peux pas finir, je vais écrire un couplet. Un couplet, une réforme, je vais dire encore, je vais observer, là, je vais compléter, je vais écrire 20 comme ça. Et là, je vais un peu dans mon archive qui m'a dit que c'est ça, ça pour servir, ça pour aller avec ça concept, ça au sérieux qui m'avait fait là. Et là, je vais remettre ça, je vais terminer dans le niveau. Quand je vais terminer, il y a des ans, je vais terminer dans la version 2020, comment dire. Moi, si la musique est réparée, parce que moi, toujours reggae, c'est gay, ragga muffin. Mais cette fois-ci, moi, je vais ajouter un petit peu d'Afro Music là, parce que mon mari est content d'écouter Afro Music. Et puis, ça fait sa tendance à venir. Mon mari est content d'écouter ça, surtout la musique africaine. Ça lit donc. Moi, déjà, mon mari est content de ça. Mais c'est vraiment que nous pouvons faire ça avec une évolution. Nous pouvons faire ça dans le style là, le reggae, le raga, le segue. Il y avait une évolution 2020 quand même, avec un nouveau son, nouveau qualité d'arrangement. Nous mettions un niveau. Avec sur Xbox, ça, nous fait un système pré-vente qui nous vend ça, nous vend l'album là, sur Internet, en pré-vente, mais qui est pour sortir en septembre. Et nous vendons 500 roupies. Et Banjou Moun, le gars Stéli, pour Juice. Et si nous vendons l'extérieur, le gars Stéli, pour Iban, nous vendons un renseignement là. Quand nous rentrons le pass sur Xbox, ou même nous rentrons le pass original de la caillou, nous vendons un renseignement là. Et ça, moi, trouvé ce système là, puis Marie Morse, qui vend mon France, qui m'a soutenu à moi. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, c'est un système de soutien qui vient avec faire. J'ai de la confiance. Je ne vais pas écouter de la confiance qu'ils ont vous compte même là. Et vous faites tout mon mieux pour ça. Et ça aussi qui peut permettre de nous manger pour avancer même là plus vite. Tout.
Au commencement, on a poussé des bandes disques, bandes du monde qui comptent en collection, bandes collecteurs, comptent en grosse CD original. Mais ils sortent 5000 toujours au commencement. Après, nous avons l'évolution de la vente. Et comme vous dites tout le temps, c'était original, parce que ça même qui vous fait un artiste continue, fait travail là et continue de donner d'autres portes pour mon vibe avec ça. Radio 1 sur le www.ra.mu.